Ah, l'éternelle question. Alors, Dom Pérignon, oui, non, les deux réponses sont valables. Ma première réaction, c'est d'abord de dire que c'est la nature qui a inventé le champagne, puisque c'est un phénomène naturel. La grande particularité de Dom Pérignon, c'est que lui, il a compris le processus et qu'il a répété la chose et qu'il a systématisé un petit peu ce processus. Le processus essentiel étant d'assembler plusieurs variétés de raisins qui ont des qualités complémentaires et qui, dans ce cas-là, vont donner un bien meilleur produit.